mon ILEC des prix sur le plan national. On va commencer par les Combass Awards, oui. Où vous êtes meilleure actrice second rôle. C'est le premier prix que je reçois dans mon pays. Et ça m'a mis beaucoup de pression parce que je me suis dit, je ne peux pas les décevoir, il faut que je continue. Vous êtes tantôt dans l'extravagance. Est-ce que c'est votre vie réelle? Non, en fait, il n'y a pas un rôle pour le moment qui soit réellement proche de ma personne. Il n'y en a pas. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui du cinéma congolais quand on sait que, là je dis pour beaucoup de gens, que le cinéma congolais est à l'arrêt, et vous pratiquez le cinéma? Non, le cinéma congolais n'est pas à l'arrêt. Le cinéma congolais n'est pas non plus en pause, mais le cinéma congolais est en train de se restructurer pour mieux démarrer. Le Congo n'est pas une terre propice pour le développement du cinéma? C'est juste que le cinéma, il est encore le parent pauvre au Congo. On n'est même pas encore respecté comme étant un métier en tant que tel.